À Brenferey, ce qui est cool, c'est qu'on peut assister au nourrissage des animaux. Lucille, ça mange quoi une loutre ? Alors, les loutres, elles mangent des crevettes, des petites moules, des poissons. Et dans la nature, elles mangent beaucoup de crustacés et de coquillages. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de présenter le nourrissage aux visiteurs ? Alors déjà, c'est pour stimuler les animaux, pour qu'ils aient plusieurs repas par jour, parce que c'est important, dans la nature, ils vont passer une grosse partie de la journée à chercher à manger. Et ça permet aux visiteurs également de les voir de plus près, et comme ça, de bien les observer, de voir les adaptations un petit peu qu'ils peuvent avoir par rapport à leur alimentation ou autre. Waouh, la chance ! Elle bronze au bord de la piscine ! J'aimerais tellement être un rhinocéros indien, moi ! Un rhinocéros, c'est quoi ? C'est herbivore ? Ils sont folivores. Pour la plupart, 4 espèces sur 5 sont folivores, donc ils vont manger des feuilles. Donc là, on va leur donner des branches, de la luzerne, des granulés également. Et si toi, tu devais choisir entre une loutre ou un rhino, tu choisirais quoi ? C'est pas facile. Peut-être une loutre quand même. Elles sont souvent dans l'eau et c'est plutôt pas mal. Non, mais mon nourrissage ne fait pas partie du programme des animations. Allez voir là-bas plutôt. Allez.